une chapelle, par exemple, c'est pas une chapelle, j'en ai pas mis un exemple. J'ai toujours rêvé de travailler pour le cirque, j'ai fait l'entrée du cirque de Monaco et je suis approché par la suite et jubilé. J'ai toujours rêvé d'avoir un char de carnaval et j'ai un char de carnaval. J'ai tout ce que je pouvais rêver, en fait, m'arrivait. Mais finalement, j'ai rêvé plus de choses populaires, à la limite, c'est peut-être ce que je dois dire. C'est des masques qui tournent sur des corps et donc qui font des sortes de profils comme sur les réseaux sociaux, en fait, comme sur Facebook, qui est très connu maintenant. On se crée son profil et ben là, on se crée un profil avec une machine, vous voyez, donc pour faire cette sorte de sculpture. Là aussi, sur un univers virtuel en 3D, donc il y a des gens même du Japon, de Taïwan, d'Italie, qui viennent le voir sur. Qui ne peuvent pas venir au carnaval, et qui donc viennent le voir, et maintenant ils ont un film sur des grands écrans qui passe avec le carnaval de Nice. Jusqu'à l'année prochaine, justement, je serai volontiers. Si je peux faire deux chars, oui, je peux faire deux chars. On se prend plus de vie dans quatre mois. Bah après, c'est le choix des carnavaliers, en fait. C'est-à-dire que les carnavaliers ont le droit de faire ce qu'ils veulent à partir des dessins, parce que des dessins qui peuvent ne pas être réalisables. Donc, moi, j'ai eu la chance de tomber sur Cédric Pignataro, qui est un jeune carnavalier, qui, donc, en plus, aime ce que je fais. Du coup, il a complètement respecté mon dessin, mais peut-être que si l'année prochaine, je propose un dessin, ce ne sera pas du tout moi. Parce que moi, je me représente toujours dans mon œuvre, en fait. Au départ, j'écrivais que mon nom dans mes travaux. Avant, j'étais même modèle aux Beaux-Arts, donc je suis très narcissique, je pose des lignes pour les Beaux-Arts. Donc après, j'ai créé mon nom partout et maintenant je me représente, sauf que ma caricature en fait, mais je me représente partout dans mes œuvres. C'est toujours moi alors. Forcément, le char de carnaval, c'est moi un petit peu, mais bon. Mais j'avais fait aussi une année pour un carnaval, c'était la plus petite grosse fête du monde. Donc là, après le carnaval, je vais la remettre, je vais poser la plus petite grosse fête du monde. Alors, machine, c'est ça, c'est le nom de l'histoire.
collaboration, c'est cet échange que l'on doit avoir au carnaval. Et en tout cas, cette année, c'est une des premières fois où l'artiste participe autant à la fabrication du chant, c'est-à-dire de par sa présence, mais de par ses peintures donc, autour du sous-bassement, de par son film qu'il y a sur le rétroprojecteur, et puis toute cette participation, en tout cas, entre autres intellectuelle que l'on a eue tout au long de la vie. Une barrière à franchir qui est quand même importante. Je pense que soit les artistes n'osent pas, soit ils n'ont pas envie, mais en tout cas, j'appelle les artistes à le faire parce que c'est très bien. Un problème mécanique. Ouais, je n'arrive pas à être bon.